Qu'est-ce qui merde, qu'est-ce qui déraille? Je suis perdu dans l'unisson. Et au milieu, l'épouvantail qui sert à rien, y'a plus de saison. Et ma tête pleine de failles qui gueule au secours dans le salon. J'ai encore perdu cette bataille qui sert à rien de toute façon. Putain, ce que c'est tragique quand j'y pense. Je ne termine jamais ce que je commence. Putain, ce que c'est tragique quand j'y pense. J'écoute jamais les phrases que tu commences. Je raconte des anecdotes sur le quotidien. Je raconte ce qui me passe par la tête. Et puis j'essaye d'en faire une soupe assez correcte. Déchire-moi les ailes et le spleen à présent. Détruis l'étincelle de mon cœur en rentrant. Planté dans le tunnel et je ne sais plus comment. Confier les clés du bordel à des mauvais, c'est navrant. Et puis est présent depuis 10 ans sur la scène musicale, déjà 3 albums, 3 EP et plusieurs concerts à son actif. Vous étiez solo, Benjamin, au début du projet Bébli. Puis vous êtes associé à Guillaume et Fabien pour former un trio. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et comme je le disais, Bébli est désormais un duo. De Nuit l'Oiseau vous a rejoint. Dites-nous en plus sur cette formation. Comment s'est faite cette rencontre avec cet artiste? En fait, De Nuit l'Oiseau, c'est une personne que je connais depuis quasiment le début du groupe, puisque son copain est un des ingé-sons des 3 albums, des 3 premiers albums. Donc c'est une personne qui tournait dans notre entourage. Voilà, je savais qu'elle était bourrée de talent, mais... Talent uniquement, hein. De talent uniquement. Avec modération, hein, si on parle d'autre chose, bien évidemment. et du coup, je savais qu'elle était assez réservée, tout ça. Mais dans ma tête, j'avais toujours une petite idée de la faire chanter. Vous aviez une idée de projet de style, en tout cas musical, dans lequel vous pouvez l'intégrer ou... Ouais, non, c'était pas vraiment une idée de projet musical, c'était une idée de la faire participer sur un morceau éventuellement. Et puis il y a 2 ans, une sortie d'un concert, j'en ai reparlé, elle m'a dit « Oh, ça pourrait être sympa ». Et l'année dernière, quand j'ai sorti composé ces chansons-là, elle, sur Instagram, elle faisait des reprises assez cool. Et du coup, je me suis dit, putain, il faut que je lui demande de venir essayer un truc. Du coup, je lui ai envoyé 2-3 démos, elle a chanté par-dessus. Et j'ai fait ça. Ça s'est fait comme ça. Et vous avez tous les deux votre style, hein, des styles différents. Qu'est-ce que De Nuit l'Oiseau, du coup, apporte à votre duo? Qu'est-ce qui vous a fait craquer, si je puis dire? Ah bah, elle chante super bien. Donc du coup ça apporte vachement de... ça complémente le truc, je trouve que les voix se marient très bien et puis effectivement ça ouvre une autre dimension aux chansons. Moi quand je les chante elles sont assez au sol, et elles quand elles rajoutent du cœur ou des choses comme ça, bah, ça prend une dimension plus... c'est plus 3D quoi. Elles sont opposées à votre style, à votre grain de voix. Justement, vous avez cherché un peu deux opposés pour créer quelque chose d'unique. Franchement, c'est un coup de bol. C'est un coup de bol. C'est lire, c'est le, ouais, c'est un truc. C'est... Ça a matché. Vous ouais, avez joué. Ça a matché. Je me suis dit, mais pourquoi on l'a pas fait il y a 10 piges quoi. Sensation en scène.